Un rapport catastrophique vient d'être rendu sur les changements climatiques, tu comprends? Mais au même moment où ce rapport paraissait, ExxonMobil, découvrait-on, promettait des sommes considérables, de mémoire 10 000 $ à des chercheurs qui réussiraient à faire paraître dans des revues avec comité de lecture des articles qui minoreraient l'importance du réchauffement climatique. Alors, ne pas être conscient de ça, c'est grave aussi. Alors, autant la science est un acquis extrêmement important pour l'humanité et puis pour la connaissance, autant la connaissance et la prise de conscience des conditions historiques, sociales, politiques, structurelles qui pèsent sur elles sont importantes. The story reports that scientists are saying that global warming also threatens to trigger more powerful storms. Some think not, including Patrick Michaels of the Environmental Sciences Department at the University of Virginia, whose recent book on global warming is called Meltdown. Welcome to you, sir. Nice to have you here. Nice to be here. You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced. It's cooling. There's one place where it's warming, in the Antarctic Peninsula, but overall it's cooling. That's a typical example that I cover in my book about repeated distortions on this issue. Patrick Michaels, climatologue et professeur à l'Université de Virginie. Patrick Michaels est un expert, donc ce qu'il dit c'est vrai, la planète refroidit. Voilà la thèse de Patrick. Et il vient à défendre partout. Patrick est un de ces spécialistes médiatiques disponibles à tout instant, qui arrivent tout de suite dès que les médias les appellent, toujours prêts à vous informer. Sauf sur un petit détail, c'est que Patrick a une petite liaison avec Exxon. Exxon, la première compagnie pétrolière au monde, 25 milliards de dollars de bénéfices annuels. Et alors, quel rapport entre le pétrole et le réchauffement de la planète? Aucun, d'après Exxon. Oh oui, ça se réchauffe peut-être un peu, mais c'est naturel. Pour le prouver, Exxon a financé pas moins d'une quarantaine de groupes de lobbying pour faire pression dans tous les domaines, politique, recherche, médias. Et le sympathique professeur Patrick Michaels est lié avec pas moins d'une dizaine de ces groupes de pression. Et il arrive dès qu'on lui demande. I will, I'll be happy to. Thank you, Mr. Michaels. Good to have you with us. I had no idea that the Cato Institute had a weather guy on the staff. Yeah, we do. Thank you. It's good to talk. Rien là de très étonnant. Rien de secret, aucun complot. Toutes les grandes compagnies défendent leurs intérêts de la même façon. It says specifically that there is no basis in the scientific literature. Mais c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi Chomsky affirme que le capitalisme et la démocratie sont incompatibles. Vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle nos croyances, comprends? Et on ne prend pas suffisamment le temps de se rendre compte que notre expérience personnelle peut être trompeuse. Et là, c'est une leçon importante de psychologie que de savoir ça, tu comprends? On peut très facilement se tromper. Je vais raconter un truc, peut-être que vous ne le croirez pas, mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller le voir. Un professeur de psychologie récemment a fait une vidéo, on mettra en ligne si vous voulez l'adresse du vidéo, vous pouvez aller le voir, vous arrivez là et vous dites à votre ami, tiens, à toi par exemple, mon cher Christian, tu vas regarder ce vidéo-là qui dure 45 secondes ou 55 secondes à peu près, et dans la vidéo, tu vas voir deux équipes de joueurs, des équipes qui sont vêtues d'un t-shirt blanc, des équipes vêtues d'un t-shirt noir. Chacune des équipes a des ballons de basketball et ils se font des passes. OK? Ils se font des passes par le sol ou ils se font des passes de main à main. Je veux que tu comptes le nombre de passes que se feront de main à main ou par le sol les membres de l'équipe des Blancs et les membres de l'équipe des Noirs. Ça va? Toi ou un ami va regarder cette vidéo-là, tata. Puis là, très vite, tu vas dire, ah, je suis mélangé, j'arrive plus, je perds le compte, c'est compliqué, gna gna gna. À la fin du vidéo, qui dure moins d'une minute, tu demandes à ton ami, que faisait le gorille? Et ton ami dit, il n'y a pas de gorille. Et tu dis, attends, on va le refaire. Et on remet le vidéo. Et là, tu vois les gens se faire des passes. Et à un moment donné, tu vois arriver en scène devant la caméra un homme très grand, vêtu d'un costume de gorille noir. Et il se met en plein milieu et il se tape sur la poitrine. Et il te fait des babayes et il s'en va. Et personne ne le voit. Personne ne le voit. Et vous savez pourquoi personne ne le voit? Personne ne le voit parce que la tâche à laquelle on est attelé est tellement complexe et on est tellement mobilisé dessus qu'on construit notre perception. Alors, notre perception, elle est construite et on tend très, très souvent à l'oublier, ça.
Mais il y a un deuxième sens aussi, Daniel, où on pourrait dire que l'expérience peut être trompeuse. C'est que si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'expérience, l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément que une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul chez soi le soir, soit, et il nous arrive de penser que, oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique, tu comprends? La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là. Voilà.